Salut à tous, donc me voilà pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui ce sera par rapport à mon véhicule. Donc une petite astuce que j'ai trouvée pour les personnes qui ont un Bluetooth sur un MMI 2G. Donc moi je vais préciser le modèle de ma voiture pour que ce soit compatible avec le vôtre. Donc moi j'ai une Audi A5 3 litres V6 S-Line de 250 chevaux. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans la même situation que moi. En fait, on a un MMI 2G, donc avec Bluetooth, si vous avez l'option Bluetooth. Et bien, en fait, ce qui se passe entre l'MMI 2G et l'MMI 3G, c'est que, il y a d'autres fonctions en plus aussi, mais une des fonctions qu'on n'a pas sur l'MMI 2G et on a sur l'MMI 3G, c'est pouvoir écouter la musique de votre portable directement sur votre système audio avec le Bluetooth. Donc, moi j'ai trouvé une petite astuce, que ça coûte rien du tout, 0 euro, 0 centime. Et effectivement, on peut écouter la musique sur MMI 2G par Bluetooth. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Bon, je suis désolé si ça vibre un peu parce qu'il faut que je tienne l'appareil photo et mon portable en même temps. Donc, il va y avoir des moments où ça va être un petit peu flou. Je suis désolé. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire, d'abord, il faut allumer la radio. Voilà. Une fois que vous avez la radio allumée, vous prenez votre portable. Donc, moi, c'est l'iPhone 6. Donc, petite précision, je ne sais pas si ça marche que sur l'iPhone 6 ou si ça marche avec tous les téléphones. Je sais qu'avec l'iPhone 4 ça marche et l'iPhone 6 ça marche, donc je pense qu'avec les autres ça marche aussi. Après, si on change de marque pour Samsung LG, je suis pas sûr que ça va marcher. Donc après, la technique c'est simple, il faut soit appuyer sur Siri, soit aller sur Google. Bon, moi je vais aller sur Google, je pense que c'est plus facile. Et vous appuyez sur la commande vocale sans cesse, vous remettez, vous sortez, vous remettez, vous sortez. Jusqu'à que vous ayez plus de musique. Voilà. Du moment que vous avez plus de musique de la radio, et ben ça veut dire que le téléphone, il est connecté en permanence avec votre système Bluetooth. Et à partir de ce moment-là, et ben vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez sur musique. Moi, je vais mettre Zara Larsson, par exemple. Donc je vais mettre un cover. Et regardez comment par miracle ça marche. Je vais remonter un peu le volume. Voilà. Je vais vous montrer comme quoi c'est bien la musique de mon téléphone. Regardez. Oui. Entre autres, vous pouvez aller, si vous avez des vidéos, vous pouvez entendre directement la vidéo sur le son de la vidéo sur votre système audio. Après, vous vous posez la question, ouais, mais maintenant comment je fais si je veux retourner la radio? C'est si simple. Vous allez par exemple sur Média, sur le CD, et vous revenez sur la radio. Voilà. Et là, c'est la radio que vous avez. Petite précision, même s'il est tout le temps connecté, si vous recevez un appel, ça va marcher pareil. La musique va se couper et l'appel va revenir. Par contre, quand vous décrochez, ça va revenir sur la radio et pas sur la musique. Donc voilà, c'est une petite astuce qui nous permet à coût zéro d'avoir la possibilité d'écouter la musique de son téléphone sous le système audio de votre voiture. Voilà, j'espère que ça vous a pu aider. J'espère que ça va vous rendre bien service. À moi, ça me rend bien service. Par contre, petite précision, je suis pas tenu responsable si jamais vous avez votre Bluetooth qui tombe en panne, parce que je sais pas si ça endommage le Bluetooth ou pas. Moi je pense pas, mais si jamais ça endommage, je suis pas responsable. Ça c'est une petite astuce pour pouvoir écouter la musique. Après, si vous voulez avoir plus d'enseignements, il faut demander à votre concessionnaire si vraiment ça pose de soucis ou pas. Moi je pense pas que ça pose de soucis. Moi j'ai déjà fait ça plein de fois et en fait c'est jamais tombé en panne. Donc voilà, moi c'était vraiment une astuce, je pense c'est vraiment une astuce qui va nous rendre service, parce que c'est chiant qu'avec une voiture qui coûte autant d'argent qu'on peut pas écouter la musique de son portable directement sur le système audio.
Voilà, donc moi j'ai tombé sur ça comme par hasard, parce que moi j'ai essayé d'appeler quelqu'un sur Siri et je disais le nom et en fait il reconnaissait pas le nom, parce qu'il y avait pas mal de bruit. Et j'ai essayé 2, 3, 4 fois, j'ai pas réussi et tout d'un coup je me suis rendu compte que la musique, la radio revenait plus. J'ai dit bah qu'est-ce qui se passe? Et là, comme quoi, je me suis dit bah attends, je vais essayer pour voir s'il est connecté en permanence. J'ai essayé de mettre une musique et en fait ça marche. Donc voilà, un MMI 2G. Ou on peut écouter la musique de votre portable par Bluetooth. Bah, franchement, c'est magique. Je suis très content d'avoir trouvé cette astuce et j'espère vraiment que ça va vous rendre service. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et profitez bien de cette astuce et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager. Voilà. Merci et mettez des likes. Au revoir.